aujourd'hui, au quotidien, de vivre, c'est d'avoir eu la force de rester. J'arrivais pas à manger, à vivre, à dormir, j'arrivais pas à vivre. J'avais tous mes instincts naturels, mes instincts premiers qui faisaient mon bonheur quotidien, n'étaient plus. D'un seul coup, toi, la terre m'a manqué sous les pieds, quoi. Plus rien. Parce que j'avais mal, parce qu'il y avait un truc causé par le mensonge, par la vérité qui venait d'exploser, par tout ça qui était intolérable, quoi. La seule personne au monde à laquelle j'ai eu vraiment le courage de dire, mais sincèrement, dire voilà, j'ai envie de... J'ai pas envie de vivre. C'est Rick. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, tous les soirs que je montais sur scène, qu'il y avait une forme inconditionnelle dans cet amour avec les gens qui me réanimait de l'intérieur. Et le dernier soir à Nîmes, dans les arènes de Nîmes, le 13 août, je n'oublierai jamais, 6000 personnes ont pris des pamphlets avec la réécriture du texte de Je t'aime et m'ont chanté On t'aime. Alors l'orchestre a repris derrière moi, il s'était arrangé avec le chef, avec Rick, avec tout le monde. Les fans, trois en particulier, avaient monté ça. Et ils m'ont chanté On t'aime, quoi. Et ce soir-là, je suis tombée à genoux. De toutes mes larmes, mais vraiment, quoi. Tout ce qui sortait de moi, c'était tu vois que ça vaut la peine de rester, tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois qu'il y a un truc qui... Quand j'écris un texte, tango, pendant que j'écris, c'est ça. Après, bon, je le mets au propre, tu vois, mais pendant le procédé, pendant que j'écris, ça c'est tango, mi amor, tu me fais mal et mon sang. Je sais pas comment je me retrouve, tango, mon corps, mi amor. Comment, je sais, écoute, je sais même pas me relire, c'est pas complexe. Tango, mi amor, tu me fais mal et mon sort, et le bien qui me dévore quand mon corps se tord, tu vois. Pendant que j'écris, quand j'écris certaines musiques, tu vois, j'écris les notes comme ça, parce que j'avais pas de papier musique, hein, donc j'écris les notes sol, do, ré, mi, donc ça fait sol, do, ré, mi, sol, do, sol, do, ré, mi, do, si, mi, sol, do, ré, mi, do, si, ré, sol, mi. Je serais fou. J'espère qu'il y a eu. Vachement dur, là, les hommes, en général, en plus, c'est plus implicite qu'ils soient auteurs-compositeurs. Une femme, c'est plus étonnant. Et souvent, on oublie de dire que toutes les chansons qui ont fait que le public, qui ont été séduits un jour parce que ce que je faisais, m'appartenait, tu vois. Et c'est vrai que ça commençait jamais par auteur-compositeur-interprète, c'était plutôt la chanteuse. Oui, la chanteuse. C'est drôle parce que parfois j'ai l'impression que j'entends un violoncelle quand elle chante, donc toutes ces larmes de l'instrument et en même temps toute cette chaleur du bois et toute la dextérité qu'il faut pour réunir et la nostalgie de la musique, la fragilité de la musique et la force de la musique. Et ben Morane, elle arrive à faire tout ça. Et si là...
Et elle a toujours été très franche avec moi. Elle a toujours dit, j'aime beaucoup ce côté un peu cassable, que tu es un peu fragile. Moi, quand tu nous fais des je t'aime et tout, c'est moins mon truc. Mais elle dit, j'aime ce côté plus fragile en toi. Et c'est sincèrement celui qui remonte le plus aujourd'hui, enfin, en vieillissant, c'est celui qui me remonte le plus fort, ce côté plus fragile. Et t'as pas fini. D'être fragile et cassable. D'être... De bouger, moi, je suis sûre de ça, que tu veux encore beaucoup bouger, voyager. Mais je pense qu'il y a un truc qui nous lie vraiment, c'est qu'on on a pas des rapports hypocrites. Si vous ne tuez pas d'ici, we can even write a song together. I would love that. Actually, I brought a little idea. You did? Yeah. That maybe. Can you maybe... play? And if we went for a bridge, if we did, yeah. Can you finish the chorus again? I just sure. That song is gorgeous. Oh là là. C'est magnifique. Elle says, you remember it. She says that. Yeah. That's how she writes. No, but you're so fast. It's a great song. Elle te plaît celle-là? Oh, je l'adore. Quand tu es à la maison chez Rick, tu sais qu'on vient d'écrire un truc, un tout nouveau truc. Par exemple, ça, si on écrit, il n'y a pas de texte, c'est rien. Ouais. En général, si tu te mets à la chanter, c'est bonnard. Si tu te mets à la chanter 5 minutes après, je regarderai ce que je fais. C'est bon. On tient quelque chose de bon. Je dis que Clo-Clo est en train de la chanter déjà. Ah oui. C'est pas mauvais. Ça m'est venu ce matin, je dormais pas de nouveau, comme d'habitude. Et je suis descendue et j'ai écrit le texte, voilà. Donc je crois que c'est très joli, vaudrait la peine qu'on passe avec Jenny juste une petite demi-heure pour l'enregistrer tout à l'heure. D'accord? Allez, à tantôt, hein, Joya. À tout de suite. Oui, ok, merci, bisous, ciao. J'ai une phrase moi m'accroche un peu moins. Super nana. À cet endroit-là du texte où ça dit des choses quand même vachement importantes, moi je m'attends. Voilà. Elle est passée deux fois et deux fois. J'ai. Voilà, c'est tout. J'ai plutôt l'air du sel que tu sers. Mais oui, parce que tu vois, au début d'ailleurs. Ce qui renvoie à toi-même, c'est génial. Pas que je l'ai dite, mais comme ton idée, je veux la pousser le plus loin possible. Oh oui. En apparence, tu vois, je ne te ressemble pas, j'ai plutôt l'air de ça. Tu deviendras. Et que tu deviendras. Que tu deviendras, bien sûr. Parce que ça, disons que dans les pieds, que tu deviendras. Bambina. Que tu voilà. Et t'as vu comme le mot, que, comme des sols avec le nain. Tu as raison. Écoute, t'as raison, c'est tout. He's right. I have to change something. J'ai plutôt l'air de sel. Que tu deviendras. Aujourd'hui, si je chantais pas, je serais chef. Je ferais à manger pour les gens que j'aime. J'aurais un petit, j'aurais un mas en Provence
avec une cuisine, une belle cuisine ouverte, tu sais, genre terrasse, une cuisine terrasse. Et je cuisinerai toute la journée. Je m'appliquerai à inventer des choses, à créer des choses. Voilà, je ferai ça. Je suis rentrée un soir et elle me dit on dîne dehors. Et j'y mets. On n'a rien sorti. Alors elle fait, ben, elle dit, faut, dans la vie, il faut regarder dans toutes les directions. Ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça. Je t'écoute, Charles, dis-moi. Après la descente de violon. Oui. Jusqu'à B2? Jusqu'à B2, c'était excellent. On va t'en refaire une troisième, puis on ira faire l'insert de la fin. Là. D'accord, ça me paraît tout à fait correct. Tout à fait. On en a trois et celle-ci est excellente. Ok, alors donc on fait l'insert de la fin. On fait l'insert de la fin, s'il parfait. Te plaît. Bah, en fait, moi je peux te partir la loupe et tu décides quand tu veux. Hein. Ok, parfait. Est-ce qu'on joue ça, pour combien tu le veux de fois? Quatre fois? Quatre fois, ça me suffit amplement. Parfait. Bien beau. C'est tout. C'est absolument tout. Merci messieurs, dames. On va aller descendre. Merci Philippe. Merci beaucoup. Je m'en vais au cours de chant et après ça, je m'en vais faire une autre prise de backing vocaux avec, avec le chœur pour hymne. Parce qu'il nous manquait deux chansons, hymne et